Salut tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo de la chaîne Pike Earth. Donc aujourd'hui nous allons, je vais vous présenter quelques produits que j'ai commandés lors des Black Friday. Donc c'est parti. Donc tout d'abord je me suis commandé un petit polo, comme ceci, de la marque Hotspot. Voilà. Alors pourquoi je l'ai pris? Bah, tout simplement parce que son design il est plutôt cool, comme vous pouvez le voir. Niveau épaisseur, il a une très bonne épaisseur, qui me permettra d'avoir chaud lors de mes sessions de pêche. Maintenant je vais le porter. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, hop, il est nickel. Je me suis aussi commandé un poisson nageur. Le FZ Slide and Roll de la marque Dame. Il fait 14 cm et il a deux types de nage. Comment il peut avoir deux types de nage? Tout simplement, on peut soit mettre la bavette, soit tout simplement retirer la bavette. Avec la bavette, il aura une profondeur de 2,5 mètres et il aura plutôt un rolling bien prononcé. Donc ça veut dire qu'il aura une très bonne nage et animation. Et sans la bavette, il aura plutôt une profondeur maximum de 1,5 mètres. Et par contre, il aura une animation moins prononcée qu'avec la bavette. Son coloris, c'est plutôt le Fisher Tiger. Et il va cibler essentiellement tout ce qui va être brochet, cendre, silure, enfin tout ce qui est gros poisson. Ensuite, je me suis aussi commandé des hameçons drop shot, donc taille 2, comme ceci, de la marque Delalande D. La taille de l'hameçon comme ça, ils iront essentiellement pour des leurres entre 5 et 6 cm. Et je suis aussi acheté des têtes plombées que j'ai déjà montées sur des leurres souples. Pareil, taille 2. Voilà à quoi ça ressemble à leurre de 5-6 cm. Et aussi hop, sur d'autres leurres que j'ai mis. Voilà, comme ceci. Et enfin, je me suis aussi commandé une petite boîte pour ranger mes leurres. Le VS 3040. C'est évidemment japonais. Mais qui est plutôt de bonne qualité des avis que j'ai vus sur Internet. Tous ces produits, je les mettrai dans la description en bas. Maintenant, dans les vidéos à venir, je ferai certainement des tutos pour tout ce qui va être nœud de pêche ou par exemple comment monter à l'heure avec une tête plombée ou un centre shot. En janvier, comme la plupart d'entre vous le sauront, il y aura le salon de la pêche à Clermont-Ferrand. J'irai moi aussi pour présenter un peu tout ce qui va être nouveauté de la pêche, les nouvelles modes, méthodes et autres. Et donc en février et mars, l'étang où je suis va être ouvert pour nous pouvoir pêcher. Et donc ce sera dans cette période que je ferai ma première sérieuse session de pêche. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardée et à une prochaine vidéo.